Deux dernières choses, je pense qu'ils vont être voilà, pour le temps de pitch, même si ça va de refaire des réunions comme celle-ci. Présence politique. Une présence politique importante à l'échelle de tout l'État espagnol. Donc, c'est un peu la combinaison de leur ambition politique et notre force politique qui a obligé à un pacte pour la constitution de Podemos. Alors, il faut dire que la première phase jusqu'au succès des élections européennes est une phase où vraiment nous avons plus de poids dans la campagne, au niveau de l'organisation de la campagne et au niveau de la participation, que l'équipe de Pablo Iglesias. Ils sont les protagonistes médiatiques, c'est clair, non? Mais nous, on arrive à développer un programme pour les élections européennes qui est un résultat d'une rencontre avec la participation de beaucoup de cercles. Parce que la bataille est justement sur le rôle central que devraient avoir les cercles de base que nous on est en train de construire dans tout l'État espagnol. Non? Donc, sera important, non? Participation dans le processus d'élaboration du programme, rôle des cercles, et aussi le fait que dans les élections pour la liste aux européennes, nous avons deux camarades, Miguel Urbán et Teresa Rodríguez, qui arrivent à être parmi les cinq premiers élus de cette candidature. Mais le problème, c'est que les résultats des élections européennes sont interprétés par cette équipe médiatique comme la démonstration du succès de leur discours de des gens contre la casta du discours simpliste, populiste. Donc, dans ce cas, ce qu'on voit, c'est que déjà un conflit plus ouvert et public parmi eux et elles et nous, et qui arrive, pour aller vite, au congrès de fondation de Podemos à la fin de 2014. Non? Les élections européennes sont en mai 2014. Il faut rappeler que l'effet médiatique du succès de Podemos est très important. La démission, l'abdication du roi Juan Carlos Ier en juin 2014 a à voir avec ce succès de Podemos. Parce que c'est vrai que les sondages, tout de suite après les élections européennes, donnent des expectatives de montée énorme de Podemos. Alors, l'effet Podemos accélère la crise politique du régime qui se monte, comme Dieu dit, avec l'abdication du roi. Donc, cela fait que la thèse de cette équipe de devenir une machine de guerre électorale et l'illusion de gagner des élections générales et devient la justification du modèle de démocratie plébiscitaire qu'ils vont construire au sein de Podemos et qui a un succès majoritaire, clairement, lors du congrès de fondation à la fin de 2014. Mais malgré ce succès, il faut dire que 2015 est aussi une période d'élection de direction régionale de Podemos. Et là, il y a encore des batailles importantes entre les courants que représentent Pablo Iglesias et Íñigo Errejón et notre courant. Et surtout, le cas de Madrid est emblématique. Et dans les élections qui ont lieu en 2015, il y a des gens pratiquement un ballotage, non, entre son courant, leur courant et notre courant. Non? Nous, on arrive aussi à avoir une convergence importante avec le secteur
municipalista de base qui a arrive à créer des candidatures de populaires et avec succès dans beaucoup de villes de l'Espagne. Donc ça c'est la phase disons où encore il y a un équilibre entre le courant majoritaire de Pablo Iglesias et les nôtres et invisibilité publique de notre présence importante. Mais il faut dire que depuis la fin de 2015, il y a une nouvelle phase qui est un tournant important. Et là, l'expérience de la Grèce est importante parce que la défaite du peuple grec a un effet négatif pour nous et disons pour l'équipe de Pablo Iglesias est un facteur en faveur de l'évolution à droite de cette équipe. C'est alors à travers 2016 que l'équipe de Pablo Iglesias devient plus modérée par rapport à la critique à l'Union européenne, aux politiques austéritaires, et sur la question de la dette que nous avions mis dans les manifestes de fondation et avions défendu pendant toute cette période. Non? Alors, il faut rappeler ces facteurs négatifs de la Grèce à ce moment. Mais, bon, malgré cela, il faut dire que l'illusion que Podemos pouvait faire les sorpasso au Parti socialiste est très fort devant les élections générales qui vont se développer en fin 2015 et pendant 2016. Non? Mais à cette époque-là, le problème, c'est que cela n'arrive pas à se faire. C'est que nous, on est critique de cette évolution. Là, on voit aussi une crise importante du discours de Podemos par rapport à la question nationale, parce que depuis fin 2015, aux élections en Catalogne, en septembre 2015, Podemos avait fait un discours, disons, anti-indépendantiste, populiste, qui a échoué électoralement. Donc, il y a là un facteur aussi qui nous permet mettre dans l'agenda politique de Podemos la question de la plurinationalité de l'État et du droit de décider. Mais lorsqu'arrive le référendum du 1er octobre 2017 en Catalogne, la position de Podemos sera ambiguë, confuse. C'est qu'on peut trouver depuis Xavier Domènech qui participe à ce référendum à autres dirigeants de Podemos qui sont pratiquement contre ces élections. Alors, modération sur la question de l'Union européenne, modération sur l'attitude par rapport au régime, et dans le sens que Podemos refuse de parler déjà de casta, d'assimiler le PSOE et Podemos comme parti de la casta, comme dénonçait le 15 mai, et ils sont en train de changer pendant 2016 et 2017 du clivage peuple-casta au clivage gauche conventionnelle et droite, ou disons progressiste réactionnaire. Non? Étant donné que dans le cadre de l'État espagnol, étant donné la nature, bon, l'origine franquiste de la majorité de la droite espagnole, bon, il y a ce discours de la peur à la réaction qui a un poids parmi des secteurs importants de la gauche. Alors,
nous on résiste bien sûr à ce clivage, on défend la nécessité de bien sûr de appuyer, soutenir le gouvernement autonome et municipaux du Parti socialiste contre le bloc réactionnaire, mais on est contre la participation de Podemos à ce gouvernement. Mais le problème, c'est que bon, c'est pas nous qui avons la majorité dans les organes de direction, étant donné que le Podemos fonctionne avec cette démocratie plébiscitaire dont j'ai parlé, c'est-à-dire que c'est un modèle autoritaire interne qui fonctionne dans les conseils confédéraux de Podemos. On ne vote pas, on n'a voté jamais. C'est des conseils où le leader fait les discours et après, bon, il y a un consensus implicite de tout le monde. Donc, c'est ça, on a perdu la bataille démocratique interne au premier congrès. Et après, malgré les tensions importantes et les différenciations politiques qu'on arrive à créer dans certaines fédérations, on n'arrive pas à être majoritaire, à part l'Andalousie. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'en Andalousie, c'est vraiment où on arrive à avoir une majorité alternative à celle que représente Pablo Iglesias et où on mène une bataille ouverte contre le gouvernement du Parti socialiste et pour un projet radicalement alternatif. No? Donc, le problème, c'est qu'après cela, il y a du moment où il y a l'évolution vers les clivages gauche-droite, ou plutôt, je dirais, progressiste-réactionnaire, il y a aussi une différenciation interne au sein de l'équipe de Pablo Iglesias et par rapport au PSOE, mais surtout par rapport aussi à la gauche unie. C'est que c'est là où on voit Íñigo Errejón continue à transformer et adapter le projet populiste à l'axe progressiste réactionnaire, voyant la possibilité d'une transversalité et plus large. Et Pablo Iglesias qui évolue vers un eurocommunisme qui est vraiment la culture politique où il s'était éduqué lorsqu'il était jeune, et un eurocommunisme avec un côté, disons, anguitiste, qu'on pourrait appeler. C'est un côté qui, en même temps, cherche quelques axes de différenciation par rapport au Parti socialiste. On peut le voir clairement sur la question de la monarchie, non? La monarchie, la République, étant donné le degré de corruption, de délégitimation que connaît la monarchie, bon, il a été cherché comme un axe important de démarcation par rapport au Parti socialiste. Mais à part cela, on ne peut pas dire qu'il y ait une délimitation différente par rapport au Parti socialiste sur des questions clés de l'économie politique, non? Ou même de confrontation ou d'épuration de l'appareil d'État. Non? Donc, il y a cette crise de l'équipe dirigeante, mais j'insiste que de fait, Pablo Iglesias développera après ce que Íñigo Errejón aurait pu faire aussi, c'est-à-dire que l'évolution de Pablo Iglesias vers un gouvernement de coalition avec le Parti socialiste est un peu le résultat de cette ligne eurocommuniste, non? Et de se convaincre que pour changer les choses, il faut
être au gouvernement, même si on est dans une position minoritaire. Non? Donc, c'est ça, c'est qu'on voit justement, déjà pour faire un saut rapide, non? En 2019, non? En 2019, c'est la volonté ferme de Pablo Iglesias pour arriver à un accord de gouvernement avec le Parti socialiste. Et malgré cela, avant déjà, dans Anticapitalistas, il y avait déjà la prévision de cette fin d'étape, non? Cette fin de cycle, non? Fin de cycle. Et parce que d'un côté, le manque de démocratie interne et de l'autre côté, cette évolution droitière, non, transformiste de Podemos démontre qu'il n'y a pas d'espace politique réel au sein de Podemos pour travailler dans un sens anticapitaliste. Et donc, comme je dis, il y a seulement le cas de l'Andalousie et quelques petits cas très locaux, non, où restent des militants de Podemos, mais la conclusion de mai 2020 est justement seulement la confirmation de l'abandon de fait de la majorité des militants anticapitalistes de Podemos. C'est que ce n'est pas la direction des anticapitalistes qui ordonne de quitter le Podemos, mais une majorité de militants importants qui a déjà, de fait, quitté cette organisation. Et bon, cela explique aussi que, bon, nous, malgré cela, on a essayé toujours de faire une pédagogie politique la moins sectaire possible pour démontrer que, bon, qu'il y avait une politique alternative à celle que Podemos a développée pendant la dernière période. Non? Autant sur la question de politique économique et sociale, et autant sur la question de la plurinationalité de l'État, autant sur la lutte contre les blocs réactionnaires et les relations avec les partis socialistes, et que nous avons défendu la position traditionnelle de ne pas bon, de dire que on pouvait appuyer en la formation des gouvernements du Parti socialiste et passer à l'opposition et faire un travail au sein du Parlement pour pousser au Parti socialiste à mener des politiques qui répondent aux besoins de la majorité sociale. Donc, le problème après, c'est que justement, il y a eu après la pandémie, c'est que le gouvernement de coalition est créé et fonctionne pratiquement deux mois et demi avant, commence à fonctionner deux mois et demi avant la crise pandémique. Alors, ça fait un cas plus compliqué pour Podemos dans le gouvernement. Et bon, on peut dire que dans un premier moment, ils essayent de faire quelques mesures symboliques. On peut dire que la seule symbolique qui pouvait apparaître importante au début, c'était ce qu'on appelle ingresso minimo vital, c'est-à-dire un revenu minimum vital pour les gens les plus appauvris de la population. Mais le bilan est que ce revenu a été un désastre, parce que seulement 10% de la population qui pourrait être touchée par ces revenus a pu recevoir et avoir droit à ces revenus. Non? On a publié récemment un article
d'un viento sur à la web. Justement, où il y a une plateforme de beaucoup d'organisations sociales qui dénoncent toutes les limites de ces revenus. Non? Après, il y a bon, le fait que pendant la pandémie, il y a une présence, surtout dans la première période, même de l'armée, dans les conférences de presse. Il y a une politique de division assez centraliste aussi dans la réponse à cette crise pandémique. Et après, on a vu que même les promesses qui apparaissaient dans l'accord du gouvernement sur la réforme laborale, sur la réforme d'une loi restrictive de la liberté d'expression ou de la liberté de manifestation, que disons, la dérogation de la réforme de pension, il y a toute une série de questions qui apparaissaient modérément dans les programmes d'accord entre les PSOE et Podemos qui ne sont pas arrivés à s'appliquer. Non? Et il y a bon, aussi des questions, dans la dernière période, la question du secteur électrique. Non? La question du secteur électrique, Podemos n'est pas arrivé à forcer une politique de contrôle et, bon, et comme nous défendions de socialisation du secteur électrique. Et maintenant, c'est un cas de scandale parce qu'il y a une augmentation énorme du prix de l'énergie électrique. Non? Et bon, cela est un facteur de crise important du gouvernement actuellement. Et en plus, les élections qui se sont développées dans les différentes communautés autonomes ont montré une perte de force électorale de Podemos, que ce soit au Pays Basque, que ce soit en Galice ou que ce soit à la Communauté de Madrid. C'est à la Communauté de Madrid, il y a eu des élections où Pablo Iglesias a dû se présenter pour garantir que Unidas Podemos dépassait le 5% de votes pour être au Parlement madrilène, mais cela a été au prix de la disparition politique de Pablo Iglesias. Donc, pour nous, c'est un peu la démonstration de la défaite. Comme je vois que je dois finir, bon, que je dois conclure en tout cas, dire qu'on ne considère pas qu'on ait commis une erreur dans la construction de Podemos. On est convaincu qu'il était nécessaire de construire cette formation anti-néolibérale, anti-austéritaire, qui reprenne l'esprit du 15 mai, du cycle de mobilisation et de radicalisation politique qu'a signifié le 15 mai, on est convaincu qu'on devait faire cette bataille, que cette bataille a connu une phase jusqu'aux élections européennes favorable à nous, qu'après il y a une tendance contraire à nos positions politiques, mais cela n'a pas été sans débat politique, sans confrontation politique, qu'on a obtenu une reconnaissance publique et médiatique comme force anticapitaliste et une présence institutionnelle qui nous a permis d'arriver à 2 millions de personnes pendant toute cette période. Et donc, malgré l'échec et bon, la faillite de cette expérience, de la rupture à la réforme du régime et de la volonté de développer un parti mouvement face à un parti médiatique
tout cela, bon, on a perdu, mais on, comme je insiste, on a cette reconnaissance politique et on reste perçu comme une force politique anticapitaliste, non sectaire et prête à préparer dans la, pour l'avenir des nouvelles expériences, des nouveaux projets. Et maintenant, avec les laboratoires andalous, avec des problèmes, bien sûr, mais qui est un laboratoire important pour voir si, avec cette expérience, on peut recommencer dans d'autres communautés autonomes. Le cas de la Catalogne est différent parce que là, en Catalogne, il y a la CUP qui occupe en partie un espace politique qu'on aurait pu occuper nous. Et donc, c'est là on a une alliance conflictuelle avec ce courant politique qui a une base sociale municipale et beaucoup plus forte que nous, bien sûr. Non? Donc, ce sont les deux exceptions important parce que dans les autres communautés autonomes, il faut reconnaître que justement, le reflux de Podemos a permis la montée des forces souverainistes, indépendantistes et même des forces locales. Hein? Et c'est ça le problème, non? La perte de centralité même de Podemos à l'échelle de l'État et cette pluralité de formations politiques avec lesquelles nous, on doit penser dans le cadre d'un projet confédéral de formation politique. Et pour finir, il faut rappeler que nous, on essaye maintenant de faire d'autres expériences aussi sur le côté social. Comme exemple, je peux montrer le document qu'on a signé avec les syndicats majoritaires basques, un syndicat de la santé à Madrid, et Écologistes en Action, la principale organisation sociale à l'échelle de l'État. On a signé un document, un rapport sur la transition écosociale qui essaye de répondre aux problèmes de licenciement, aux problèmes de travailleurs, de la classe ouvrière qui existe maintenant dans le secteur de l'automotion ou dans d'autres secteurs, mais essayant de les lier à la réconversion écologique de l'économie. Bon, j'ai fini. Je m'excuse d'avoir dépassé le temps. C'est très bien. Merci beaucoup. Tu peux prendre 10-15 minutes, hein. Vas-y. Oh, 10, je vais essayer maximum 10. D'accord, je te minute sur 10, mais si tu dépasses, on verra. D'accord. Bon, non, il y a beaucoup de questions que... J'ai pris note donc, sur ce que Christine a dit. Bon, je suis d'accord. C'est que, bien sûr, le problème, c'est ce que raconte Manolo, c'est que lors du congrès de fondation de Podemos, on aurait dû mener la bataille plus ouvertement sur la question du projet, non? Combattre ce discours de populiste simpliste qui excluait beaucoup de questions, non? Il faut rappeler qu'à l'époque, même la question écologiste, même la question féministe, même la question nationale n'était pas dans l'agenda public, disons, de Pablo Iglesias, non? Son centre de discours était bon contre la casta, contre la corruption, contre le régime, oui, mais n'est pas développé les différents axes de critique. Non? Donc là, on aurait dû être plus dur. Si la question de l'adaptation aux limites antidémocratiques internes, bon, peut-être oui, ça s'est passé. Mais là, le problème, je crois, pour résumer, je crois que on aurait dû être plus fort internement, c'est parce que à travers tous ces débats, ce qui apparaît, c'est tout sur le débat sur la nature de l'État, sur la nature de l'État et sur l'économie politique
néolibéral capitaliste. Donc, du point de vue interne, il fallait avoir formé des militants avec la capacité de contrecarrer ces discours simplistes et d'insister sur le fait que parler des autres sujets ne supposait pas mécaniquement perdre des voix, parce que c'était l'argument électoraliste avec lequel répondaient les dirigeants de Podemos à nos arguments. Donc c'est ça le problème d'une pédagogie plus argumentée sur la nécessité de répondre aux différents axes de rupture. Non? Et dans ces cas, oui, pour répondre à Armand Creus, non? Bien sûr, depuis le premier moment, une des grandes faiblesses de Podemos était la question nationale. C'est là où un des arguments forts de nous pour dire, écoutez, ceci n'est pas l'Amérique latine, ceci n'est pas le Venezuela. Peut-être, oui, ça rappelle un peu Bolivie avec la question plurinationale, mais là, ce n'est pas une question plurinationale liée à la souveraineté territoriale différente, non? Comme existe dans le cas espagnol. Mais c'est ça, la principale faiblesse, avoir été plus fort du point de vue de la formation politique et de la capacité d'inclure beaucoup d'axes. Mais le problème, c'est ça, que c'était déjà dans le cadre d'une démobilisation sociale. Donc, on n'avait pas le mouvement social actif pour pousser à inclure ces agendas. Seulement le mouvement pour la défense du logement. C'est qu'on peut dire que le principal survivant du cycle du 15 mai, c'est le mouvement pour le droit au logement. Et là, oui, on a pu s'appuyer. C'est pourquoi maintenant, la question du logement reste une question centrale dans l'agenda politique. Une question de conflit. Et au sein même du Parlement et du gouvernement. Non? Mais à part cela, il est difficile de mettre beaucoup d'axes parce que le mouvement féministe a été très fort pendant toute la période jusqu'à la crise pandémique. Mais après, le mouvement féministe s'est développé de façon tout à fait autonome, bien sûr, à Podemos. Il n'avait pas aucune relation. Mais c'est vrai que cela a obligé à Podemos à inclure l'agenda féministe dans ses discours et dans la politique du gouvernement actuel. Donc c'est ça, et sur la question européenne, bien sûr, je suis d'accord avec Catherine, oui, une des grandes faiblesses qu'il faut dépasser dans l'avenir, c'est ça, c'est comment reconstruire une coordination des forces partis larges ou forces anticapitalistes. Peut-être on pourrait voir, dans le cas de l'État espagnol, de parler avec les différentes forces périphériques, entre guillemets, pour pousser à une coordination. Bah, à l'époque des conférences anticapitalistes, oui, il y avait le NPA et le WP anglais, comme vous connaissez, qui était le pivot de cette conférence. Alors, dans l'avenir, je crois qu'il faudra chercher des références, peut-être le bloc d'esquerda, mais on voit que le bloc d'esquerda est assez contraint, disons, au cadre national étatique. Donc, sur la question de la question qu'on posait, Jeanne et Léon, je suis d'accord, le problème c'est ça, qu'on s'est trouvé avec une nouvelle génération politique qui avait une très courte expérience comme activistes sociaux. C'est une expérience que, bien, par exemple dans le cas espagnol, des étudiants qui venaient de l'université, de la campagne contre le projet Bologna des universités. Non? Et c'était des activistes
antifasciste, disons, non? Mais de court, avec une courte expérience et avec peu de formation politique. Alors le problème, c'est ça. Comment respecter leur protagonisme politique et en même temps offrir notre expérience et travailler pour un métissage intergénérationnel et politico-culturel, non? Et c'est ça un défi énorme que nous, on a essayé de faire dans une période, parce que moi, j'ai été responsable de formation à la communauté autonome de Madrid de Podemos pendant un an et demi, et bon, on a fait ce qu'on a pu, non, mais c'est vrai que c'était très peu parce que à ces écoles de formation ne venaient pas les dirigeants politiques de Podemos. C'est ça le problème, c'est qu'ils s'étaient pressés. Ils voulaient, arriver à gouverner. Parce que c'est ça, finalement, ce qui a été la justification de ne pas attendre. Ne pas attendre à avoir un rapport de force meilleur parce que la chance de gouverner était maintenant. Non? Donc, cela a conduit à une capitulation politique sur des questions centrales. Et donc, par rapport à ce qu'a dit Victor, non, anticapitalistas a critiqué publiquement la position qu'a défendue le maire de Cadiz, Chiqui, sur les frégates, sur la question de l'Arabie saoudite. On l'a critiqué publiquement. Alors le débat était, bon, si cela était un motif d'exclusion de Kishi, bon, alors la direction andalouse a considéré que ce n'était pas une raison pour exclure, mais on a défendu publiquement. Et c'est vrai que là, on a une expérience contradictoire. C'est vrai qu'on n'est pas arrivé, on n'a pas arrivé à Cadiz à montrer, sans contradiction, une expérience de municipaliste alternative. C'est vrai. Il y a des côtés positifs et il y a des côtés critiquables. Et bon, moi, je les reconnais. Je crois que la majorité d'anticapitalistes les reconnaît. Mais je ne suis pas d'accord, bien sûr, à dire que. Parce qu'on n'est pas qualifié, Podemos comme organisation réformiste dès le début. Et même moi, je ne crois pas que ce soit une organisation réformiste classique. C'est que c'est une organisation. Originellement avec une date de naissance singulière provenant de l'expérience d'un mouvement social qui avait une chance d'évoluer dans un sens différent à celui qui l'a connu. Et maintenant, le grand problème qu'a Podemos, c'est que même si elle veut être réformiste, même si elle s'est transformée dans des côtés importants, pour le régime actuel, étant donné la nature de ce régime, il continue à être, inassimilable par ce régime. C'est ça le problème. Il est en train de rompre totalement avec tous les espoirs qu'il avait créés, mais le transformisme qu'il a subi a des limites justement parce qu'il n'est pas. On a un bloc réactionnaire qui se méfie de ce parti encore. C'est ça la question. Bon, pour aller vite, sur la question qu'a posée Michel. Non, nous, on parle de créer une confédération d'organisations politiques à l'échelle de l'État espagnol. Cette confédération est nécessaire parce qu'on a un ennemi commun.
qui est le régime actuel, qui est l'État espagnol. Donc, et c'est pourquoi la décision des camarades de la CUP de se présenter aux élections générales avec deux députés montre une reconnaissance de la nécessité pour que la Catalogne devienne indépendante et sociale, disons, et il faut changer le rapport de force, pas seulement en Catalogne, il faut la changer à l'échelle de l'État espagnol. Et pour cela, il faut une alliance des différents partis de gauche large, parce que la gauche abertzale basque n'est pas un parti anticapitaliste, c'est un parti large. Et le bloc nationaliste galègue est un parti large, pas un parti limité, anticapitaliste. Donc. Et sur la question d'Armand, oui, je suis d'accord avec là. Je crois qu'il faut, faut continuer à construire des partis mouvements. Le problème, c'est que dans le cas espagnol, disons, on a cette expérience de la CUP, on peut dire que c'est un parti mouvement plutôt large. Il a deux partis à l'intérieur importants, non? Endavant et Poble Lliure, et beaucoup de militants qui ne sont pas membres de ces deux partis. Et ils sont une démocratie interne beaucoup plus exemplaire que la nôtre, hein, je dois dire. Donc là, il faut apprendre, même si eux, ils sont des tensions internes, justement sur la question des relations avec les partis de la droite indépendantiste catalane. Non, c'est des débats assez conflictuels quelquefois, non? Donc, je crois que mon temps est fini, mais bien sûr, bien sûr qu'on a des faiblesses. Et un grand problème, c'est que pendant toute la période où on a été à Podemos, on a perdu présence dans les mouvements sociaux. Et c'est pourquoi nous, on insiste maintenant à la nécessité de faire avoir une nouvelle... chercher un ancrage social, territorial, dans les quartiers et dans les mouvements sociaux, même dans Écologistes en Action, nous n'avons pas une présence significative. Disons, c'est une organisation avec laquelle on a eu de bonnes relations depuis le début, parce que, disons, le noyau fondateur a une origine, disons, anticapitaliste libertaire. Hein? Mais bien sûr, il y a des nouvelles générations qui, dans Écologistes en Action, veulent faire un travail plutôt de lobby ou plutôt d'ONG que d'organisations sociales, disons, radicales. C'est ça, il y a une pluralité de formations. Bon, je finis parce que je crois que j'ai parlé déjà beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés au bout de la liste des inscrits et des inscrites. Alors, oui, non, j'ai oublié de parler avant de l'Andalousie, de Catherine Demandé. Alors, bon, je crois que l'Andalousie a été fondée récemment. Il y a une petite chronique d'Ambiente Sur qu'on a publiée, avec un axe central important qui est, disons, la revendication d'un andalousisme de gauche, non, d'andalousisme de gauche, féministe, écologiste, mais pas dans un sens indépendantiste, non, mais dans un sens justement souverainiste. C'est dans un sens souverainiste, non national étatique, non, parce que je sais qu'en France, le débat sur le souverainisme est très différent, non? Mais dans un sens justement du droit à décider, du droit à décider sur la politique sociale, sur les relations avec les autres peuples de l'État espagnol, non? Donc, c'est un choix qu'on va voir
si cela va marcher. C'est que c'est vrai que ce ne sera pas facile parce que je crois que c'est vrai qu'il y a une tradition andalusiste populaire là importante. C'est pourquoi Teresa Rodríguez et ses camarades se réclament de la troisième vague de l'andalusisme. Il y a un andalusisme historique qui commence depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la deuxième république. Il y a la deuxième vague de la transition, mais qui a été avortée. Et maintenant, c'est la troisième vague. Alors, on va voir ce qu'elle devient. Mais c'est clair qu'elle doit, elle devra être très liée à la question agraire, à la question écologique, parce qu'il y a une dévastation productiviste, extractiviste en Andalousie très forte. Le tourisme en Andalousie a produit des effets destructifs énormes. Alors, le défi qu'ont nos camarades qui se sont fusionnés avec des petits collectifs, trois petits collectifs andalousistes, c'est ça, c'est de voir jusqu'à quel point ils arrivent à avoir un poids social important, mais aussi un poids électoral. Et du point de vue électoral, ce ne sera pas facile, parce qu'ils devront, ils se trouveront avec un blocage médiatique, je crains, important, et avec la compétition avec Podemos. Et ce ne sera pas facile. Et ça, lié aussi avec ce que Jean posait, il faut rappeler que la question du droit à décider apparaissait déjà dans le manifeste de fondation de Podemos. Là, il y a un point, le point 2 du manifeste qui défendait une démocratie réelle basée dans la souveraineté des peuples et leur droit à décider leur avenir, le futur, libre et solidairement. La démocratie ne nous fait pas peur. Nous sommes contents que les Écossais et les Catalans puissent parler et dire quel futur désirent. C'est pourquoi nous soutenons la consulte qui, à l'époque, devait avoir eu lieu le 9 novembre 2014. C'est le travail que les Madrileños pour le droit a décidé et essaye de faire, mais il faut reconnaître que Madrileños por el Droit Décidé, et bien sûr, essaye d'éteindre cette question de la Catalogne à une question centrale, pas seulement le fait Madrileños por el Droit Décidé, qui est la question sur le référendum sur la forme d'État. Parce que c'est clair que dans le cas de l'État espagnol, la monarchie connaît une crise de légitimité importante, et c'est pourquoi nous pensons que la question de la République liée au droit à décider des peuples peut jouer un rôle important dans l'avenir. Et je finis comme ça. Merci. Parfait. Encore un immense merci à toi d'avoir participé à cette réunion qui, je crois, pour tout le monde, donne l'envie d'en faire d'autres à l'avenir. Voilà. Merci, parce que j'ai appris beaucoup de choses aussi. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Merci à Christine et Nicolas aussi, qui ont animé la soirée. Salut, Jaime. Salut. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jaime. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao à tout le monde. À bientôt, ciao. Merci, au revoir. Là, on a 15 réalisateurs. Là, ils sont directement. Par exemple, tu vois, là, ils sont directement. Ah. Ça, tu as les mêmes quinzaines.